Et wesh le gang, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, une vidéo où on va répondre à des dilemmes les plus difficiles. C'est la vidéo dont je redoutais, mais bon, faut bien la faire, donc on l'a fait. Et j'espère vraiment que je ferai les bons choix. Dites-moi dans les commentaires quel choix vous avez fait, vous. Bref, on commence avec le premier dilemme. Avoir un jet privé ou avoir une île privée? Franchement, avoir un jet privé, parce que l'île, si tu l'as, mais que t'as rien pour y aller dessus, bah ça sert à que dalle. Donc je préfère avoir un jet privé, parce que l'île, c'est bien beau de l'avoir, mais il faut avoir quelque chose pour aller dessus, quoi. Et tu t'as rien, du coup, voilà. Courir vite ou faire de grands sauts? Franchement, je préfère largement courir vite. Parce que faire de grands sauts, bon, à part quand tu joues au saut à l'élastique ou au saut en longueur dans le sport, ça peut te servir. Mais courir vite, c'est au cas où il y a une apocalypse, au cas où il y a un truc qui se passe bizarre, tu cavales, et t'en es sain et sauf. Alors, la glace ou le feu? Franchement, le feu. Le feu parce que c'est cool, ça te réchauffe et c'est trop stylé, la matière du feu, et c'est trop stylé. Avoir les yeux blancs toute la vie ou avoir les yeux noirs toute la vie? Oh non! Ah ça par contre ça est dégueulasse! Les yeux noirs. Les yeux noirs parce que... Bah parce que les yeux blancs ça fait un démon et j'aime pas ressembler à un démon. Super héros inconnu ou être un super vilain populaire? Ah ouais, on parle quand même d'un super héros inconnu au bataillon et un super vilain populaire. Franchement, je ferai pas de mal à une mouche, du coup je peux pas être un vilain, du coup je vais choisir être un super héros inconnu. Avoir des piercings de partout sur le corps ou avoir des tatouages de partout sur le corps? Oh non, celui-là il est tellement... Franchement, des tatouages parce que ça signifie quelque chose. Tu peux des tatouages parce que ça signifie quelque chose et tu peux choisir le tatouage que tu veux, tu vois. Et même si c'est sur tout le corps, bah, tu peux choisir ça signifie quoi ton tatouage, chez qui, enfin c'est lequel. Alors que des piercings, bah, c'est juste un truc qui te pose et il y a rien qui signifie quelque chose avec un piercing. Alors que les tatouages, ben, ça signifie des choses. Avoir une baguette magique ou avoir 3 souhaits par jour? Franchement, avoir une baguette magique. Parce que ben, je pourrais apprendre des sorts et je pourrais apprendre des trucs. Du coup, c'est cool. Contrôler les gens ou pouvoir contrôler le temps? Franchement, entre les gens et le temps, j'aimerais pas qu'on me contrôle. Du coup, je vais pas choisir contrôler les gens, mais contrôler le temps. Suivant. Squeezie ou McFly Carlito? Oh non, celui-là, il est tellement... Sincèrement, McFly Carlito. Je suis désolée, Squeezie. Tu fais du bon taf et je t'adore. Hein. Mais McFly Carlito, entre stand-up de merde, Melly Melo, c'est tellement... C'est tellement... truc de ouf et j'adore les concepts et ces deux gars, je les adore, c'est des gars en or. Ne plus se brosser les dents ou les cheveux? Franchement, mes cheveux, je les brosse jamais, donc ne plus se brosser les cheveux, ça m'importe peu. Nager avec un requin ou marcher avec 5 lions? Franchement, nager avec un requin parce que les lions, je sais pas ce que ça peut te faire, mais... Bah même un requin, tu vois, mais franchement, le requin, c'est tellement mieux. Au moins, si tu meurs, bah t'auras vu un animal trop stylé que personne, enfin presque personne, a la chance de voir, quoi. Ne plus savoir lire et écrire ou rire et pleurer? Oh non, rire et pleurer, parce que t'as besoin de savoir lire et écrire pour ton travail. Alors que rire et pleurer, bah t'as pas trop besoin, tu sais, même si
Putain, c'est trop difficile. Vivre une apocalypse de zombies ou vivre la troisième guerre mondiale. Dans tous les cas, on meurt. Je vais choisir l'apocalypse de zombies parce que c'est moins dangereux. Enfin, tu peux te réfugier alors que la troisième guerre mondiale, c'est tout qui part en couille, c'est ciao. Mais dans tous les cas, on meurt, donc à quoi bon choisir? Être perdu dans la jungle ou dans le désert? Franchement, dans la jungle, on peut trouver des trucs du genre araignée et tout, serpent et tout, dans le désert. Même s'il fait chaud, tu vois, dans le désert. Lécher une limace ou croquer dans un escargot? Oh non! Franchement, je vais lécher la limace, mais une milliseconde et après je la taille. Être poursuivi par un clown tueur ou perdre tous tes réseaux et ton téléphone? Perdre tous mes réseaux et mon téléphone parce que être poursuivi par un clown tueur, tu sais pas ce qu'il peut te faire. Ne plus avoir d'électricité ou ne plus avoir d'eau? Franchement, je préfère ne plus avoir d'eau. Non, je rigole, ne plus avoir d'électricité. L'électricité, c'est pas trop grave, tu vois. Alors que l'eau, c'est la base. C'est t'en as pas, tu meurs. L'électricité, est-ce que si t'en as pas, tu meurs? Non. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Allez, ciao!